C'est l'actualité américaine, chers téléspectateurs, qui me fournit la matière de notre sujet d'aujourd'hui. Comme vous le savez, le président Trump fait actuellement l'objet d'une procédure d'impeachment organisée par la Chambre des représentants du Congrès. On sait d'avance que le Sénat va bloquer la procédure en question. Mais tout cela a ramené sur le devant de la scène un certain nombre de cas analogues qui se sont produits au cours de l'histoire des États-Unis. On se souvient des démêlés de Richard Nixon avec le Congrès du fait de l'affaire du Watergate. Il a préféré démissionner plutôt que d'affronter une procédure qui risquait évidemment de mal se terminer pour lui. On se souvient aussi des démêlés de Bill Clinton pour une affaire quelque peu vaudevillesque il y a quelques années. Et puis les journalistes nous ont rappelé que au 19e siècle, en 1868 exactement, eh bien, le président Johnson avait été, Andrew Johnson, avait été lui-même soumis à une procédure analogue. Alors lui, évidemment, il est tout à fait inconnu du grand public, il m'a paru intéressant de raconter son histoire, car c'est un cas un petit peu particulier. Andrew Johnson a succédé à Abraham Lincoln, dont il était le vice-président après l'assassinat de Lincoln. Seulement, Johnson, au sortir de la guerre de sécession, eh bien, c'est quelqu'un qui était démocrate et d'autre part qui venait des États du Sud, ce qui crée une situation évidemment un petit peu particulière qui a mené à un conflit avec le Congrès qui a débouché sur une procédure d'impeachment. Alors, Johnson, il est né à Raleigh, en Caroline du Nord, en décembre 1808. Il a des origines tout à fait modestes. Hein. Il fait des débuts dans la vie un peu difficiles. Il est apprenti tailleur à l'âge de 10 ans. Il a reçu une éducation, on va dire, minimale. À 18 ans, il se rend dans le Tennessee, où il va épouser Eliza McCody, qui a seulement 16 ans. Donc, des débuts dans la vie un petit peu compliqués, un petit peu difficiles. Mais c'est un esprit curieux. Il va être un brillant autodidacte et en 1830, eh bien, il va se lancer dans la vie politique. Il a une vingtaine d'années. Il se lance dans la vie politique. On va le retrouver maire de la petite ville de Greenville. Il va être élu à la Chambre des représentants puis au Sénat de son état du Tennessee. Il appartient au Parti démocrate qui représente alors les classes moyennes, notamment les petits fermiers anti-esclavagistes qui sont tout à fait hostiles aux grands propriétaires fonciers du Sud qui utilisent des armées importantes d'esclaves. Il faut dire que les démocrates du Tennessee, dès cette époque-là, sont hostiles à l'esclavage. Il n'empêche que ce sera au sein du Parti démocrate, ultérieurement, que se constituera l'Union des défenseurs des droits des États, qui va préparer, en quelque sorte, la sécession. Alors, il va rester, quand les choses vont mal tourner, quand va commencer la tension, va apparaître la tension entre esclavagistes, anti-esclavagistes. Il va rester fidèle au Parti démocrate, dont il sera l'élu au Congrès de 1843 à 1853. Il sera ensuite gouverneur du Tennessee de 1853 à 1857, puis sénateur à Washington de 1857 à 1862. Mais là, il va clairement prendre parti contre l'esclavage, notamment quand il est question des législations à installer dans les nouveaux États qui sont en train de se constituer dans l'Ouest au fur et à mesure de la progression de la colonisation. Alors, en 1860, il appuie la candidature du démocrate sudiste Breckinridge, mais on le sait, c'est Abraham Lincoln, le républicain, qui est élu. Alors là,
on va tout droit à la guerre civile, à la sécession. Johnson est hostile à la sécession du Sud, hein, il ne rejoindra pas la Confédération, hein, et il va rester à son poste au Congrès à Washington, alors que les États du Sud ont décidé de se séparer de ceux du Nord. Résultat, Lincoln, qui veut élargir évidemment son assise politique, voit tout l'intérêt que peut présenter ce démocrate originaire du Sud, et il va le désigner comme gouverneur militaire du Tennessee, où il va adopter une posture modérée, visant à un rétablissement du pouvoir civil unioniste pour que l'État reste fidèle à l'Union. Lors des présidentielles de 1864, Lincoln va lui demander d'être son colistier pour la vice-présidence. On comprend bien la manœuvre, avoir avec lui un démocrate de plus originaire du Sud, ça annonce évidemment la volonté de réconciliation que le président envisage de mettre en œuvre à l'issue de la guerre. Alors Lincoln est élu, on l'a dit, il est inauguré au début du mois de mars 1865, mais un peu plus d'un mois plus tard, Lincoln est assassiné, et c'est de manière tout à fait inattendue, Andrew Johnson, démocrate, originaire du Sud, qui devient président d'une union qui est clairement soumise au Nord à l'issue de la guerre, et de plus aux républicains et à des républicains avides de règlements de compte. Lincoln et Johnson étaient bien sûr différents, mais ils avaient des vues comparables sur la volonté de maintenir l'Union, bien sûr, mais aussi en faveur d'une politique d'apaisement vis-à-vis du Sud. Et les premières mesures prises pendant l'été 1865 par Johnson confirme en gros ce qu'était la préoccupation de Lincoln. Hein, dès mai 65, par exemple, il va décider d'amnistier, à quelques rares exceptions près, tous les anciens rebelles à condition qu'ils prêtent serment à l'Union. Il va nommer des gouverneurs provisoires dans un certain nombre d'États pour y cornaquer la reconstruction. Hein. Il s'agit de réunir des conventions locales pour reconstituer en quelque sorte le système politique des États du Sud, toujours avec cette condition d'une adhésion évidemment à l'Union. Enfin, bien sûr, il s'agit d'abolir l'esclavage, hein, comme le demande le 13e amendement, l'esclavage qui va disparaître donc du paysage social à l'issue de la guerre de sécession. Le problème, c'est que le Congrès qui a été élu, lui, compte une majorité de républicains que l'on pourrait qualifier de radicaux, avides de revanche, très hostiles aux sudistes, hein, qui veulent bien admettre de nouveau les anciens États dans l'Union, mais la condition pour eux, c'est que les républicains y soient majoritaires. Et donc ils abordent la question de la réconciliation dans un esprit extrêmement partisans. C'est pour cette raison qu'ils veulent faire voter les Noirs, qu'ils veulent restreindre le suffrage des Blancs en privant de droits civiques les anciens rebelles. Voilà en gros le climat que va connaître Johnson quand il est installé à la Maison-Blanche. Hein. Les élus du Sud sont ainsi rejetés du Congrès avant qu'un comité de reconstruction ait donné son avis. Un comité de reconstruction qui est évidemment une chambre d'épuration dans le contexte du moment. Et on va directement donc à un conflit entre le président et le Congrès. Le Congrès se heurte, lui, au droit de veto du président, mais la majorité du Congrès réussit à le tourner, à outrepasser le veto présidentiel. La guerre est donc déclarée entre la Maison-Blanche et le Congrès. En effet, les
sénateurs et les représentants républicains veulent traiter le Sud en pays conquis. Hein, ils vont installer un bureau des affranchis qui a pour vocation de mobiliser les anciens esclaves au profit de leur cause. On va confisquer un certain nombre de biens des rebelles. Les sénateurs et représentants républicains vont livrer le Sud au sinistre Carpetbagger qui vont le mettre en coupe réglée pendant les années qui suivent la fin de la guerre. Alors, le conflit se durcit donc avec le président et on va trouver un prétexte pour s'en prendre à lui, contester sa légitimité. Quand il limoge le secrétaire d'État à la guerre, Stanton, on fait valoir une loi concernant les fonctions publiques, ce qui permet de l'accuser d'avoir violé la loi en révoquant donc ce ministre de la Défense, ce secrétaire d'État à la guerre. Et la Chambre des représentants va mettre Johnson en accusation, sous le prétexte donc de violation de la loi. Seulement, il faut les deux tiers du Sénat pour obtenir ce renversement, en quelque sorte, du président, cette exclusion du président, et les adversaires de Johnson vont être 35 contre 19, c'est-à-dire que l'on n'arrive pas aux deux tiers, à une voix près d'ailleurs, et le 16 mai 1868, c'est l'échec des adversaires de Johnson. Il lui reste donc encore une année de mandat à faire, qu'il va effectuer à la Maison Blanche, hein, dans une situation évidemment un petit peu particulière, qui restreint considérablement, sans doute, sa liberté d'action. Mais pendant ce mandat, il s'est quand même passé des choses intéressantes. Hein. Il a obtenu, par exemple, le départ des Français du Mexique. Hein. On connaît l'histoire de l'expédition du Mexique à partir de 1861. Dès octobre 65, la guerre de sécession terminée, les États-Unis exigent de la France qu'elle abandonne son projet mexicain. On tient toujours à mettre en œuvre le fameux principe de Monroe, l'Amérique aux Américains, qui doit tenir à l'écart du Nouveau Monde les ambitions européennes. Alors on connaît l'histoire, l'empereur Maximilien est abandonné par les Français, il sera finalement fait prisonnier et fusillé à Querétaro en 1867. Et puis également durant cette période, durant cette présidence, il faut noter l'essor spectaculaire des chemins de fer. Hein. C'est le 10 mai 1869 que à Promontory Point dans l'Utah se retrouvent les deux voies de chemin de fer venant de l'Est et de l'Ouest pour boucler la construction du premier transcontinental. C'est l'époque où l'expansion vers l'Ouest va connaître une dynamique nouvelle, hein, au détriment d'ailleurs des Amérindiens qui en 1876 infligeront peut-être la célèbre défaite que l'on sait à la colonne du général Custer à Little Bighorn, mais l'Ouest amérindien va disparaître à ce moment-là des écrans de l'histoire. Un point également intéressant à signaler durant cette présidence, c'est l'achat de l'Alaska aux Russes pour 7 millions de dollars. Inutile de dire qu'il y a eu des périodes ultérieurement où les Russes ont sans doute regretté d'avoir abandonné ses possessions à ce qui allait devenir leur rival américain. Finalement, le mandat se termine en mars 1869. Johnson transmet ses pouvoirs à Ulysses Grant, qui devient le président donc des États-Unis. Lui-même se retire dans le Tennessee, où il sera quand même réélu sénateur en 1874. Et puis, il mourra dès l'année suivante, le 31 juillet 1875. Alors, il a effectué
effectuer son mandat présidentiel entre Lincoln et Ulysse Grant, une période un petit peu oubliée dans l'histoire américaine, mais on retiendra quand même qu'il a voulu mener une politique tout à fait généreuse à l'égard des États du Sud. J'ai le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Jean Descartes pour son dernier ouvrage, Dictionnaire amoureux des monarchies, publié aux éditions Plon-Perrin, dans une collection fameuse où les plus grands auteurs ont évoqué qui un personnage, un lieu, une histoire dont ils étaient proches. Hein. C'est une collection dans laquelle vous avez déjà sévi, si l'on peut parler ainsi, puisque vous avez fait un dictionnaire amoureux des trains. Que je recommande à tous nos téléspectateurs intéressés par cette histoire des trains, sujet auquel vous avez consacré aussi d'autres ouvrages, je crois, le Transsibérien notamment. Alors, le dictionnaire amoureux des monarchies, on n'est pas franchement surpris vous connaissant, puisque vous avez réalisé de nombreuses biographies de monarques du passé, vous êtes intéressé à des dynasties, je pense aux Windsor, aux Habsbourg, aux Romanov. Ce dictionnaire amoureux de monarchie, c'était un sujet évidemment fait pour vous. Hein. Alors, vous commencez ce livre par une confrontation de deux moments significatifs. D'une part, le 21 janvier 1793, hein, la mort du roi Louis XVI, exécuté après le jugement de la Convention. Et puis également 1958, l'instauration de la 5e République par le général de Gaulle. Et vous parlez à propos de cette 5e République de monarchie républicaine. Alors c'est un terme qui est apparu parfois, repris par un certain nombre de publicistes. Comment l'interprétez-vous vous-même ce titre, ce terme de monarchie républicaine ? Eh bien, je partirai d'une réflexion du général de Gaulle qui a dit « il manque un roi à la République », voulant dire qu'il manquait une stabilité, c'est-à-dire de la durée dans l'exercice de l'État ou du pouvoir suprême. Et on peut dire qu'il avait parfaitement raison, parce qu'avec le septennat déjà, on avait un personnage au sommet de l'État qui pouvait s'installer, durer, et le passage au quinquennat, pour les raisons que nous savons, puisque Jacques Chirac était sûr d'être réélu ainsi, est catastrophique, puisque le président de la République est, si j'ose dire, de passage. Il est à peine élu, il est déjà en campagne pour la suite. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir que dans l'Europe, mais dans le monde, il y a pas loin de 900 millions d'habitants qui vivent sous des régimes monarchiques divers, quelques monarchies absolues, beaucoup de monarchies constitutionnelles, des pays dont on parle, des pays dont on ne parle pas. Alors, on parle du Royaume-Uni pour toutes sortes de raisons actuelles, on parle peu du Bhoutan, mais c'est pourtant un pays qui inscrit dans sa constitution le droit au bonheur, un vaste problème. Pays comme le Sultanat d'Oman est très intéressant, son souverain vient de décéder, qui vient de mourir, oui. Après 50 ans de règne, qui était un homme extraordinairement fin, francophile, car il avait apprécié que Louis XIV ne s'était pas attaqué à la côte des barbaresques, comme on disait au XVIIe siècle. Bon, et son successeur continue, c'est tout de même intéressant, le sultanat d'Oman est en quelque sorte le concierge du boulevard du pétrole avec le détroit d'Ormuz face à l'Iran, et dans une région assez tendue. Et c'est un homme qui adore la France, qui adore les chevaux, qu'il baigne ses chevaux, et qui était d'une grande qualité diplomatique. Bon, il y a évidemment la monarchie britannique assez secouée en ce moment. J'avais prévu un certain nombre de séismes. Et il y a des États dont on parle peu, par exemple Danemark, dont la reine Margrethe II règne depuis 1972. Il m'a fait le grand honneur de me recevoir. Elle est très impressionnante parce qu'elle est aussi grande que son père, le roi Frédéric IX. Et le chambellan m'avait dit, si tout va bien, la reine vous proposera de vous asseoir. S'il y a des tensions, vous resterez debout. Bon, fort heureusement.
On m'a proposé de m'asseoir tout de suite, mais quelquefois le Premier ministre reste debout. Mmh. Et c'est une femme qui, je trouvais, très intéressante. C'est un pays, le Danemark, avec lequel la France n'a jamais été en guerre, ce qui est miraculeux. Mmh. Elle a traduit Simone de Beauvoir en danois. Mmh. Le président Macron a été en voyage officiel où il s'est fait remarquer, enfin, son service privé a confondu la jaquette et l'habit, c'était un petit peu dommage, mais la reine a une qualité extraordinaire en disant à ses premiers ministres, actuellement une femme, ce n'est pas parce que des gens arrivent chez nous, autrement dit des migrants, qu'ils sont de chez nous, et je souhaite qu'ils apprennent notre histoire, nos institutions, notre langue et les respectent. J'ai trouvé que ça avait une certaine allure. – Voilà, une souveraine qui pourrait passer pour suspecte aux yeux de certains. – Évidemment. – Alors, dans toutes ces monarchies auxquelles vous vous êtes intéressé, il y en a quelques-unes sur lesquelles vous avez travaillé tout particulièrement, je pense bien sûr à la monarchie anglaise, au Windsor. Alors, je ne peux que vous demander votre sentiment à propos des derniers événements qui viennent d'affecter la reine Elisabeth et la famille royale. Mais écoutez, malheureusement, je les avais pressentis et prévus parce que j'ai tout de suite vu que dans cette jeune femme, Meghan, il y avait un côté américain, entre guillemets, de revanche et de provocation, ce qui nous remet exactement, même si on ne l'a pas vécu, à 1936 avec la duchesse de Windsor ou Alice Simpson. Il faut bien comprendre que pour les Britanniques, c'est un cauchemar dont le souvenir reste très fort, parce que la monarchie avait été carrément souillée. Et pour la reine Elisabeth II, c'est particulièrement sensible, puisque c'est ce qui a fait que son père, George VI, qui ne devait pas régner, est devenu le souverain, consacré sa santé, on le sait, et qu'elle est devenue donc la souveraine actuelle. Alors, je dirais que dès le fait que à Noël, le couple Harry-Meghan n'est pas au manoir de Sandringham, qui est une résidence privée à laquelle la reine est très attachée pour toutes les cérémonies familiales, c'est la première faute. La deuxième faute est d'annoncer leur projet variable et fantasque de nouvelle vie sans en avoir parlé à la reine ni au prince Charles. On n'aime pas du tout le linge sale lavé en public. Et ça, c'est à mon avis la faute suivante. Et la reine a réagi, et je me permets de le faire remarquer tout de suite, en disant dans sa réponse « Harry et Meghan » sans leur donner leur titre. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà éjectés de la famille royale, et quand récemment Meghan vient de déclarer qu'elle refuse la nationalité britannique, mais j'allais dire qu'elle allait lui être retirée de toute façon, à force de faire n'importe quoi. Et je précise que, alors qu'elle ose dire qu'elle a été harcelée par les médias, c'est faux. Ils ont été d'une amabilité, d'une patience avec elle. Maintenant, elle va l'être. Parce qu'en choisissant la fuite, la traque et la provocation, elle va être suivie. Est-ce que ça ne sera pas un peu lassant et une mauvaise répétition de Diana? C'est à voir. – Alors ça fait beaucoup de choses pour la monarchie britannique par les temps qui courent, avec également l'affaire du prince Andrew. – L'affaire du prince Andrew qui est très grave. – Dont on imagine qu'elle affecte beaucoup la reine. – Absolument, outre les affaires sexuelles, il y a les affaires financières plus que douteuses, les relations avec des oligarques, des transferts d'argent lamentables. Et alors je pense que, si vous voulez, pour Elisabeth II, 93 ans, 67 ans sur le trône, c'est tout de même effrayant au moment où le Brexit entre en action. Car la reine, très britannique, par tous les aspects, y compris écossaise, par sa famille, britannique au sens large, voulait être européenne. Je prends l'exemple de l'inauguration du tunnel sous la Manche il y a 25 ans, où elle dit au président de la République française, François Mitterrand, « Monsieur le Président, je viendrai en France et nous irons ensemble vers les côtes anglaises. Ce ne sera pas une invasion, ce sera une promenade d'amitié. » Et ils ont coupé le cordon ensemble. Je trouvais que c'était très révélateur. On ne recevait pas, on accompagnait. Bon. Le cauchemar de la reine avec le Brexit, c'est tout ce tohu-bohu, tous ces bouleversements de la vie quotidienne, ces incidents diplomatiques, ces questions commerciales et financières. Mais je pense qu'elle va
se concentrer sur une chose qui doit rester, le royaume uni. Oui. Alors, est-ce que le royaume va rester uni, l'Écosse et l'Irlande du Nord, alors qu'elle a tout fait pour essayer de calmer les antagonismes? Ça, c'est très dur. Vous savez, je suis fasciné par cette femme de petite taille qui, lorsqu'elle vous reçoit, sait tout sur vous, ne va pas en parler, ou presque pas, de penser à ce qu'elle a subi, par exemple, quand elle découvre dans les années 70, sous le gouvernement de Mme Thatcher, qu'un agent secret du roi George VI, qui s'était battu contre l'Allemagne, qui était un grand collectionneur d'art, le conservateur des collections de la reine, spécialiste du dessin classique français du XVIIe siècle, notamment de Nicolas Poussin, ancien agent britannique, est devenu un agent de Moscou. Bon. C'est tout de même un choc. Bien. Alors, elle le dégrade, etc. Elle ne le voit plus. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu l'histoire inverse dont on a peu parlé. C'est que le chef de poste du KGB à Londres est tombé, si j'ose dire, et avec d'énormes guillemets, amoureux de la reine, et il est passé au service de la couronne britannique. Aujourd'hui, il vit sous identité cachée dans les environs de Londres. Je pense que Moscou a juré d'avoir sa tête. Donc, la reine, au milieu de tout ça, représente une stabilité de l'État. Je pense sincèrement, et à l'heure où nous parlons, qu'elle est dans le paysage mondial depuis 67 ans. Et d'une façon très moderne pour son arrivée, car le 2 juin 1953, elle a exigé que son sacre et couronnement soient télévisés. Alors la partie sacrée était sous un dais, on n'a pas dérangé l'aspect mystique de ces moments, mais avec un film qui est parti en couleur, les bobines en 16 mm, le soir même vers l'Australie, le Canada, que j'ai vu, j'étais tout jeune, avec mes parents à l'Olympia à Paris, la reine a fait de la monarchie britannique un spectacle mondial. Et alors, cette monarchie britannique, vous la voyez s'inscrire dans la durée après le règne d'Elisabeth II, parce que on a parlé du fait que le prince Charles pourrait laisser la place à l'un de ses enfants. Écoutez, les lignes de succession n'obéissent pas aux sautes d'humeur de l'opinion. C'est vrai que Charles est très patient, il est même plus patient que son ancêtre, devenu Édouard VII, à qui on disait vers 1899, en parlant de la reine Victoria qui était toujours là, « Alors, Monseigneur, cette maman toujours en bonne santé ?» Bon, je pense que nous ne pouvons pas savoir, il pourrait exercer la fonction suprême, il est prêt, c'est un homme qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup d'intelligence, qui est beaucoup plus généreux qu'on ne le pense, notamment avec ses enfants, consterné par ce qui se passe actuellement, il a été gâté, il connaît bien le piège médiatique. Alors, l'abdication, si vous voulez, reste à mon avis un mot maudit dans la monarchie britannique jusqu'à présent, à cause du duc de Windsor, à cause d'Édouard VIII, qui n'a régné que 11 mois. Donc, et la reine avait dit, en 1947, en Afrique du Sud, dans un discours, à la radio, au moment de sa majorité, « Que ma vie soit longue ou courte, je resterai au service de la nation. » Alors il faudrait un accident de santé gravissime et son incapacité constatée pour que ça se passe autrement. Je rappelle aussi aux téléspectateurs que la reine travaille énormément, y compris aujourd'hui. Car depuis la reine Victoria, le souverain britannique a trois prérogatives, ce ne sont pas des privilèges, des prérogatives, le droit d'être informé, consulté et de mettre en garde. Et la reine continue de recevoir tous les jours le contenu des Royal Boxes en cuir rouge au monogramme du souverain, avec les versions cryptées et informatiques aujourd'hui sécurisées, où elle étudie le dossier pour en parler avec le Premier ministre, à qui elle dira « Oui, mais êtes-vous sûr que ce soit la bonne décision ?» Ce n'est pas elle qui prend la décision, mais elle donne son avis. – Elle a un avis. Alors justement, quelles sont ses relations, ou quelles vont être ses relations avec Boris Johnson, qui en même temps est un personnage qui est très, très anglais. – Alors il est très anglais, traditionnel. Absolument, il est très anglais dans le fantasque, il est pittoresque, c'est le moins que je puisse dire. Je ne pense pas qu'il soit idiot, et il est spectaculaire, un peu comme d'une certaine façon était Churchill. Alors on peut faire une comparaison qui
n'est pas tout à fait raison, mais enfin, il y a de ça. Il y a un sentiment de l'opinion populaire qui s'y retrouve, et en tout cas, électoralement, il a gagné son pari, après beaucoup je dirais, d'inquiétude, d'angoisse et de présentations visuelles déconcertantes. Mais peut-être fallait-il cela. Les Britanniques sont souvent des personnages originaux, d'après les Latins. Nous n'avons rien à leur envier, mais c'est moins gai chez nous, souvent. C'est plus pittoresque, et je pense que… Alors, ça redessine, évidemment, un contenu… Il y a des choses qui restent. Par exemple, le Royaume-Uni, n'étant pas dans l'espace Schengen, va continuer à exiger des papiers pour entrer, des passeports, des cartes d'identité. Et puis, il y a des choses qui changent. C'est peut-être une chance pour l'Europe, ce renouveau, à la limite, paradoxalement. C'est un moment historique, terrible, notamment pour les Britanniques qui vivent en France, et il y en a beaucoup dans le Sud-Ouest. Mais est-ce que ça ne serait pas une chance pour l'Europe ? Ça peut être un avertissement. L'occasion d'un examen de conscience pour l'Europe. Oui, de ce qui ne va pas, quant notamment. Quant aux limites du système bruxellois. Mais bien sûr, et dans notamment les problèmes de frontières, d'immigration qui sont une atteinte à l'identité européenne au sens large, à son passé, etc. Alors, il y a de nombreux souverains qui retiennent votre attention. Alors, des personnalités extrêmement diverses d'ailleurs, puisque, bon, on a par exemple Louis II de Bavière, qui vous avait consacré un ouvrage. On a les souverains espagnols aussi. Dans votre dictionnaire, vous faites intervenir à la fois, bien sûr, des personnalités, des souverains, mais aussi des épisodes, mais aussi des lieux particuliers liés à cette histoire de la monarchie. Qu'en est-il de Don Juan, qui n'est pas connu du tout en France, entre Alphonse XIII et Juan Carlos, vous lui consacrez une notice importante et qui éclaire un petit peu sur le parcours de la monarchie espagnole au cours de ce XXe siècle un peu chahuté pour nos voisins ibériques. Oui, Don Juan, le comte de Barcelone était dans le fond le prototype du prétendant sacrifié parce que Franco, qui a peut-être tous les défauts de la terre, mais avait compris qu'il n'était pas le bon candidat. Parce qu'il faut rappeler qu'en 1931, le départ d'Alphonse XIII n'est pas un… – Il se met en retrait, ce n'est pas une abdication, le régime comme vous le signalez à juste titre. – Absolument, c'est très important. Et il part avec les honneurs, il part pas sous les huées et sous les crachats, pas du tout, au contraire. La monarchie est mise entre parenthèses. Ce que Franco a tout de suite bien enregistré, et il a enregistré que le comte de Barcelone n'était qu'un personnage tout de même assez fallot, qui ne fallait pas compter sur lui. Alors, le talent de Franco, quoi qu'on en pense, c'est d'avoir formé Juan Carlos, qui est né en exil à Rome. Il faut rappeler tout de même une enfance, une adolescence, où on dit c'est un playboy, un bourbon, désœuvré, etc. Dans une époque où on ne donne pas cher de la couronne d'Espagne, c'est évident, c'est du passé. Et il le forme dans les académies militaires, entre autres, ce qui va faire de lui un camarade de promotion d'un certain nombre de commandants d'unité au moment de la tentative de coup d'État du lieutenant-colonel Tejero pour ranimer les cauchemars de la guerre civile espagnole. Il appellera un par un les commandants des unités en les tutoyant, en disant « tu ne bouges pas, tu restes dans tes casernes, etc. etc. » Et j'ai beaucoup de sympathie pour Juan Carlos, maintenant souverain émérite retiré, il y a eu quelques erreurs, mais qui a sauvé l'État espagnol et la couronne a garanti la démocratie. Je donne un exemple d'humour. J'étais envoyé spécial du Figaro Magazine à La Haye pour l'abdication de la reine Juliana des Pays-Bas, et c'est le premier voyage officiel de Juan Carlos en tant que roi d'Espagne, et qui demande devant moi, d'ailleurs, au chef du protocole, est-ce qu'on va chanter toutes les strophes du Wilhelmus, l'hymne national néerlandais ? Non, non, sire, on n'a pas le temps. Ah, tant mieux, parce qu'effectivement, il y avait une strophe où il était dit « mort au roi d'Espagne », ça datait de la kermesse héroïque. – Évidemment, ça datait du XVIIe siècle, oui. Alors, dans ce dictionnaire, là, vous avez des entrées très diverses, et notamment consacrées à un certain nombre d'écrivains, d'esprits divers, d'intellectuels,
intellectuels qui se sont intéressés à la monarchie. Notamment, vous avez une entrée sur Chateaubriand, vous en avez une sur Maurras, une autre sur Bainville. Comment voyez-vous, vous qui êtes un passionné des histoires monarchiques, comment voyez-vous l'analyse maurrassienne de la monarchie ? Je vois la continuité, c'est toujours le premier point. Deuxièmement, la responsabilité et l'exemplarité de la famille monarchique. Je pense qu'en monarchie, on est beaucoup plus sévère, et on le voit au Royaume-Uni en ce moment, avec la famille, ceux qui représentent l'État, qui doivent vraiment bien se tenir, parce que c'est une image, c'est la première famille du pays. Donc des gens comme Maurras, comme Bainville étaient frappés par la notion d'exemplarité obligatoire. On ne peut pas avoir des gens qui se tiennent mal. Au Royaume-Uni, ça a été le cas avec la princesse Margaret, alors on était dans l'après-guerre, dans un Royaume-Uni héroïque mais exsangue économiquement, où le fait d'épouser un divorcé et de passer ses soirées dans les boîtes de nuit n'était pas vraiment, alors que le pays avait été héroïque pendant la guerre, évidemment n'était pas ce qu'il fallait faire. Je crois que… – Oui, mais elle voulait épouser un héros. – Elle voulait épouser un héros. – Un héros de la guerre en question, le capitaine Townsend. – C'est un comble, le problème c'est qu'il avait été marié, qu'il était divorcé, donc ça n'était pas encore dans les mœurs. Bon, et nous ne saurons jamais s'ils auraient été heureux ensemble. Non, je pense que… Bainville, Maurras et des gens comme Michel Déon, que j'ai très bien connu, savaient que la famille doit bien se tenir, et ce qui est très difficile, parce qu'elle est en représentation. Alors il y a des limites, bien sûr, mais une partie de la famille peut bénéficier de ce qu'on appelle la liste civile, pas tous, il y a des interpellations au Parlement si on se comporte mal, c'est arrivé pour Margaret. Je pense qu'on est beaucoup plus exigeant, c'est très difficile de porter un nom illustre, de porter éventuellement un titre, on le voit très bien pour la famille d'Orléans en France, ou pour les querelles entre les branches aînées, branches cadettes des Bourbons aujourd'hui, ça n'est pas évident. C'est une longue histoire qui fut la nôtre, et je pense, comme l'a dit le président de la République François Mitterrand, qui était un homme cultivé, dans une lettre assez remarquable, que le drame de la France, le vrai drame, était la mort de Louis XVI. Alors, il y a un personnage que vous abordez dans ce dictionnaire qui est un petit peu inattendu, c'est Victor Hugo, icône républicaine s'il en est. Or, vous nous rappelez que Victor Hugo n'a pas toujours été dans cette posture-là. – Non, ce que j'aime, c'est voir la vie des gens, leurs paradoxes, leurs contradictions. Alors, disons tout de suite que Victor Hugo n'est pas le seul génie artiste littéraire, en l'occurrence, qui ait changé d'avis. Il y en a eu plusieurs. Mais quand j'entends parler de Hugo le républicain, il faut quand même un devoir de mémoire. Il a été monarchiste, il a même perçu des bourses de la royauté. Dans toute cette affaire, si vous voulez, il y a quand même quelqu'un qui tient à se placer, qui a déjà une bonne idée de lui-même. Il a raison parce qu'il a beaucoup de talent. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir sa haine contre Napoléon III, qui est terrible, parce que lorsqu'il y a eu la campagne électorale du prince président de la République, Victor Hugo a une idée géniale, comme il en aura souvent. Il dit : ce n'est pas un nom, c'est une idée. Oui, Napoléon, ce qui est fantastique. Nous sommes en 1848, il y a encore énormément de survivants de l'Empire. Et le souvenir d'Austerlitz, peut-être celui de Waterloo aussi, est encore assez proche. Oui, donc, mais c'est le 2 décembre, c'est le 2 décembre que Napoléon III retiendra. Voilà. Mais surtout, si vous voulez, je crois que lorsqu'ils se sont rencontrés à l'Élysée, lorsque le prince-président s'installe à l'Élysée, Hugo se demande comment dois-je l'appeler, monsieur le président, prince, monseigneur, c'est pas évident en effet, parce qu'on n'a jamais vu ça. Bon, et puis il y a un aspect d'intendance, il a très mal dîné, Hugo, et on retrouvera ça, vous savez, on verra ça chez les monarchistes à la fin du siècle aussi, qui, chez la princesse Mathilde, trouvaient que les quenelles étaient froides, donc ça les mettait de mauvaise humeur. Mais surtout, le prince-président, futur Napoléon III,
ne lui propose pas un poste ministériel. Oui. Et Hugo est en fait vexé. Donc, il va se venger. Ça ne s'arrange pas quand il dit au commissaire de police qui le voit agité au moment du coup d'État, il lui dit « Arrêtez-moi, je suis Victor Hugo ». Et le commissaire de police lui dit « Monsieur Hugo, je n'arrête que les gens dangereux ». C'est très vexant pour Hugo. Très vexant. Alors, c'est intéressant parce que la haine va aller jusqu'au bout avec beaucoup de talent chez Hugo. Et un certain esprit de la part de Napoléon III qui, voyant le livre « Paris Guide » réalisé pour l'exposition universelle de 1867, constate que Victor Hugo n'a pas résisté et de son exil anglo-normand a tout de même fait parvenir une préface, parce que Paris sans Hugo, ça n'était pas possible. Il faut dire que Notre-Dame de Paris avait beaucoup fait pour le marquer, et donc en fait le républicanisme de Hugo aujourd'hui me paraît très réducteur par rapport à un génie littéraire absolu. Et alors, justement, ça nous amène à une autre question. C'est Napoléon le Petit, Napoléon III. Vous lui consacrez une entrée dans votre dictionnaire. Alors, oui, parce que pour moi, ça n'est pas un usurpateur. Alors, mais pour moi, si vous voulez, l'usurpateur a fait place au réformateur de la France, constructeur d'un tissu social et économique extraordinaire. Et on peut en parler, nous qui avons vécu des grèves de chemin de fer, de transport urbain. C'est un homme qui a prévu le développement ferroviaire avec des chefs-lieux de canton, des sous-préfectures, des pays qui étaient reliés par le chemin de fer. Il a fait ses campagnes électorales par le chemin de fer, lesquels chemins de fer transportaient des marchandises, des journaux, des livres et mettaient la province à l'unisson de Paris. – Mais c'est lui qui a reconnu le droit de grève aussi. – C'est lui qui a reconnu le droit de grève, reconnu les syndicats, c'est un souverain très social et que l'on méprise et que l'on méconnaît souvent, qui a plein de défauts, mais qui a modernisé la France. – Merci beaucoup Jean Descartes, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, « Dictionnaire amoureux des monarchies » aux éditions Plon-Perrin. Le grand historien Arthur Comte, dans son épopée coloniale de la France, écrivait « Savornian de Brazza a donné le Congo à la France ». Je vais vous raconter cette histoire. D'origine italienne, Pietro Paolo Savornian di Brazza est né le 26 janvier 1852 à Castel Gandolfo, près de Rome. Il est le septième d'une famille de 13 enfants, une famille qui est une vieille famille d'aristocrates, originaire de Venise. On dit même que cette famille compte parmi ses illustres aïeux un empereur, l'empereur Sévère. Pietro est un enfant singulier, rêveur, il dévore les récits d'aventure dans la bibliothèque familiale, il dévore aussi les atlas, il apprend les cartes par cœur et sa curiosité est attirée par cette immense tache blanche au milieu du continent africain, la Terra Incognita. Son père est déjà un voyageur, un lettré, il est très cultivé, il a de nombreuses amitiés françaises et c'est ainsi que Savornian de Brazza, qui est encore Pietro, rentre en prépa à Paris, au lycée Sainte-Geneviève, avec l'appui d'un ami de son père, l'amiral de Montaignac, pour préparer le concours de l'école navale dont il sort enseigne de vaisseau à l'âge de 17 ans, à la veille de la guerre de 70. C'est maintenant un beau jeune homme, hein, Pietro, il est brun, assez ténébreux, on voit sur ses portraits, ses photos, il a un regard très doux, un peu triste. Comme tous les jeunes élèves de l'école navale, il embarque bientôt à l'issue de la formation, il embarque sur la Jeanne d'Arc vers l'Afrique du Nord. C'est son premier contact avec le continent africain. Il y arrive à la fin de l'insurrection de la Grande Kabylie et il va assister à la répression de cette insurrection. Bientôt, en mars 1873, Pietro demande sa naturalisation et change son nom en Pierre-Paul Savornian de Brazza. Il est affecté sur la frégate Vénus qui fait relâche au Gabon en 1874 et c'est là qu'il remonte deux fois le fleuve Ogoué, ce grand fleuve qui se jette dans l'océan Atlantique au Gabon et c'est là que lui vient l'idée de monter une expédition plus complète.
L'idée de l'expansion coloniale en France fait son chemin lentement durant toutes les années 70. Pour l'opinion publique et les gouvernants, cette exploration coloniale, c'est encore une passion de géographes, d'originaux, d'aventuriers, dont les exploits qu'on lit dans la presse intéressent beaucoup le grand public quand même. Bernard Lugan écrit « En 1870, les colonies françaises se composaient de quelques îles et comptoirs en Afrique, en Asie et aux Amériques. La seule possession d'importance était l'Algérie. » Néanmoins, en 1875, le gouvernement français alloue à Savorgnan-de-Brazza quelques centaines de milliers de francs pour monter une expédition pour explorer le Goué. Pourtant, la dotation est assez insuffisante. Savorgnan-de-Brazza sera obligé de piocher dans ses propres deniers pour financer le reste de l'expédition. Il a l'idée de rechercher les sources de l'Ogoué. Il part avec une petite équipe, seulement composée d'un médecin, d'un naturaliste et de quelques soldats sénégalais. Son expédition va durer 3 ans, jusqu'en 1878. Cette expédition progresse lentement, mais Savorgnan-de-Brazza se lie avec de nombreuses tribus. Il a le contact facile, il a beaucoup de bagou, il a une forme de charisme qui lui permet de racheter avec ses propres deniers et de délivrer des esclaves qu'il pourra installer à son retour au Gabon. Il est vrai que dans ses bagages, il a des tissus, il a des outils, il a des tas d'objets pour le troc. Et comme sa personnalité fait des merveilles, il sait se rendre populaire et il a un côté missionnaire, un peu humaniste. Il est en cela complètement opposé à son rival Stanley, dont je reparlerai un peu plus loin. En 1878, il atteint le pays des Teke ou Bateke, un peuple qui occupe le centre du Congo. Il arrive sur les rives de la rivière Alima, qui est un affluent du Congo. Mais là, l'expédition est attaquée par des indigènes hostiles, les Apfourous, et les membres de l'expédition de Brazza sont épuisés, sont malades. Ils décident donc tous de faire demi-tour le 11 août 1878, après avoir dépassé la Likona, une autre rivière, et peu après le village de Okanga. Ils ont néanmoins réussi à démontrer que les deux cours d'eau, Ogoué et Congo, ne communiquent pas. Leur voyage est un succès d'exploration. Ils dressent une carte des régions qu'ils ont traversées. Peu après son retour, Pierre-Paul Savorgnan-de-Brazza rentre en France et prépare alors une seconde expédition qui va durer de 79 à 82. Il est appuyé en cela par Ferdinand de Lesseps et par le ministre de l'Instruction publique, le nouveau ministre Jules Ferry, qui est ministre de l'Instruction publique depuis février 1879. Cette fois-ci, Savorgnan-de-Brazza a plus de moyens. L'expédition est financée aussi par la Société française de géographie, ainsi que par le ministère de la Marine, des Affaires étrangères et, comme je vous le disais, de l'Instruction publique. Il part avec des explorateurs plus expérimentés, Antoine Mison et Jean-Noël Savelli, qui sont deux officiers de marine qui sont également ses amis. Le gouvernement français a décidé d'appuyer son expédition car il veut en effet contrer la politique coloniale du roi des Belges en Afrique, dont le représentant sur le terrain est le célèbre Henri Stanley. Mais Brazza et Stanley ont deux conceptions opposées du contact avec les indigènes. D'ailleurs, Stanley trouve Brazza tellement gentil qu'il ne va pas du tout se méfier de lui. Brazza préfère discuter que tirer. Il refuse la brutalité gratuite. On l'appelle même depuis la première expédition le papa des esclaves. Alors que Stanley soumet les tribus par la force en les effrayant à coups de fusil et à coups de dynamite. Alors la manière de Brazza va réussir, en plus son expédition est plus légère, il progresse plus vite que son rival anglais et en septembre 1880, il rencontre le Makoko Ilo, le chef politique et religieux des Bateke, et réussit à lui faire signer le 10 septembre 1880 un traité qui place un territoire grand comme la France sous la protection des Français. Désormais, le territoire de la France s'étend des chutes du Congo jusqu'à Lubangui, et cela sans tirer un coup de feu. Bien sûr, le chef africain y trouve aussi son intérêt. Il sait que Stanley, il a entendu parler des deux, de Brazza et de Stanley. Il sait que Stanley est beaucoup plus dur. Donc finalement, il préfère se mettre aussi sous la protection d'un chef plus tolérant. Savarnia vient, par ce traité, de bloquer l'expansion des Belges au Congo.
il raconte dans son rapport. Makoko se montra satisfait et il me donna à son tour 50 brasses d'étoffe européenne et 300 pièces d'étoffe du pays. Puis, réunissant pour le jour de mon départ tous les chefs voisins, en leur présence, il mit ma main et la mettant dans celle de Ganskumo, il lui dit « Je te confie le blanc qui est venu me voir, qui est venu nous voir. Puis, se tournant vers moi, il me dit « Tu es venu ici nous apporter des paroles, ami, tu as vécu parmi nous et tu nous as fait oublier tout ce que nous avions entendu des blancs. » Hakuna, sur la rive du Congo, Brazza installe un comptoir français qui deviendra plus tard Brazzaville, la capitale du Congo. Peu après, l'expédition retourne vers l'océan et sur la route du retour, elle découvre ce qu'elle était venue chercher lors de la première expédition, les sources de l'Ogooué. Durant ce temps, Brazza a laissé à Kuna une petite troupe de tirailleurs sénégalais dont le sergent Malamine voit à son grand effroi en juillet 1881 arriver Henry Stanley et sa puissante colonne sur la rive gauche du fleuve. Le sergent ne se laisse pas impressionner, il refuse alors le passage sur l'autre rive à Stanley, que pourtant sa réputation a précédé, et contre toute attente, Stanley cède. Désormais, le Congo belge se contentera de la rive gauche du fleuve Congo. Le triomphe de Savorgnan de Brazza est à son comble. Le traité signé avec Makoko est ratifié par l'Assemblée le 30 novembre 1882 et bientôt commence une Brazzamania en France. Des conférences, des articles de presse, des photos, des portraits, des cartes postales, des timbres, des publicités, tout cela à l'effigie du héros explorateur circule. Il est fêté, adulé. Savorgnan est nommé commissaire général en 1885, puis gouverneur du Congo français de 1887 à 1897. Mais les idées généreuses et l'idéalisme de Brazza sont peu compatibles avec le développement de la colonie qui devait passer sous le régime de concessions pour l'exploitation de ses ressources. Brazza s'y oppose et il est contraint de quitter le Congo en 1897. En outre, il est affaibli par une maladie des bronches et le paludisme et il s'installe à Alger avec femme et enfants. Car oui, Savorgnan de Brazza s'est marié en août 1895 avec Thérèse Pinton de Chambrun, descendante de Lafayette, avec laquelle il aura 4 enfants. En 1905, un scandale éclate au Congo sur des cruautés perpétrées par de petits fonctionnaires. Le ministère décide de mener une enquête et envoie Savorgnan de Brazza afin qu'il rédige un rapport sur les conditions matérielles et morales des indigènes ainsi que sur le recouvrement des impôts. Mais pour le héros du Congo, c'est le voyage de trop. Sur le chemin du retour, il tombe malade et est contraint de s'arrêter à Dakar où il meurt entouré de sa femme et du commandant Mangin le 14 septembre 1905. Sa femme soutiendra pendant longtemps que Brazza a été empoisonné. Sa mort souleva une émotion considérable. Il eut des funérailles nationales et fut enterré au Père Lachaise. Le gouvernement français voulut ensuite mener sa dépouille jusqu'au Panthéon, mais sa femme refusa et préféra la faire transporter à Alger où elle résidait encore avec ses enfants. Mais la République, comme souvent, oublia bien vite ce qu'elle devait au grand homme. Tout d'abord, elle laissa la femme de l'explorateur avec si peu de ressources qu'une campagne de presse dénonçant ce scandale, le gouvernement finit par lui faire attribuer les revenus modestes d'un débit de tabac à Paris. Ensuite, la maison des Brazza, la villa d'Arès Sanga dans le quartier d'Hydra à Alger, qui avait été donnée par Charles, le dernier des enfants survivants au gouverneur d'Algérie, pour devenir un musée, va être également abandonnée après l'indépendance de l'Algérie. Pourtant, dans cet endroit, on trouvait l'atmosphère un peu de la brousse africaine, un musée qui contenait une importante bibliothèque, d'innombrables écrits, objets, photos de l'explorateur. Elle avait été inaugurée le 15 février 1952, lors des cérémonies du centenaire de naissance de l'explorateur. Cette maison fut abandonnée et laissée au pillage et à la destruction après les accords d'Évian. Son fils Charles, fils de Savorgnan de Brazza, essaya sans succès d'alerter les autorités françaises, mais le gouvernement français ne fit rien. Charles resta alors en Algérie, comme il l'écrit à sa famille, pour défendre jusqu'à la mort la mémoire de mon père. Il y mourut d'ailleurs en novembre 1962. Avec l'accord des descendants, en octobre 2006, les restes de l'explorateur, de sa femme et de ses 4 enfants ont été exhumés du cimetière chrétien de Bruce à Alger pour être transportés vers Brazzaville, où ils ont été à nouveau inhumés en présence de plusieurs personnalités, dont le successeur du roi Makoko, le 17e du titre. Les descendants de Savorgnan de Brazza avaient aussi exigé, entre autres choses, que la pierre tombale du cimetière d'Alger soit sauvegardée.
mais toutes ces dispositions qui avaient été promises aux descendants de Sabre Nyamburaza n'ont pas été tenues par le gouvernement du Congo. Du coup, en septembre 2013, la dépouille de Sabre Nyamburaza et ses enfants devait repartir en Europe. Pour le moment, c'est en suspens. Et pourquoi cette pierre tombale du cimetière d'Alger devait être transportée jusqu'à Brazzaville? Parce qu'il était écrit dessus, à propos évidemment de Sabre Nyamburaza, « Sa mémoire est pure de sang humain. Il succombe le 14 septembre 1905 au cours d'une dernière mission entreprise pour sauvegarder les droits des indigènes et l'honneur de la nation. »